Salut à toutes et à tous, c'est Calais, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 sur 1701. Vous voyez le volcan qui explose, qui s'en fait des dégâts. On est en train d'exploser, même on est en train d'exploser tout ce qui est autour. Il fait des dégâts, j'espère juste qu'il va pas toucher à mes plantations. Votre colonie n'a plus d'alcool. Parce que là il envoie des bombes parfait. Ça serait... D'ailleurs la colonie n'a plus d'alcool. Je suis passé au niveau supérieur. Prêt au combat. Je vais vite leur mettre un peu d'alcool. Mais je doute que ce sera suffisant. On va ramener pas mal de briques. Mais j'ai hâte qu'ils se calment. Ça va pas trop taper ici. Par contre, là ici ils ont plus cher et lui c'est même pas la peine. Là, voilà, il est hors de ma zone. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu la galère. C'est joli hein. C'est pas passé loin. Hein. Ah, il m'a donné 23 tonnes d'alcool. Bon voilà. Les nouveaux. La nouvelle civilisation, c'est les citoyens. Et on a accès à l'éventail des bâtiments citoyens. Voilà, ça ressemble à ça. Et on a accès à de nouvelles recherches. Donc là, à rapporter les marchandises demandées. Le capitaine. Avant de faire ces nouvelles recherches, j'ai besoin de gagner un peu de sous. Pour ça, je suis parti demander donc, à plusieurs personnes. Vous voulez m'engager, assassin? Voilà, MP, un tribut. Donc je demande le maximum. Et voilà, je vais gagner un peu de sous parce que j'ai dû en dépenser un peu pour ça. Un peu beaucoup même. Faut savoir qu'à la base j'étais à 50 000 et que maintenant je suis plus qu'à 4 000 là. Donc j'ai pas mal dépensé, mais on va faire gaffe. L'important c'est d'être quand même dans le... Voilà. Donc je dis ça, mais je vais continuer à dépenser pour l'alcool parce qu'il le faut. Un incendie détruit votre ville. Ah purée, bien, je l'ai bien visé. Oups. Alors en plus si je mets à côté ça va pas le faire. Parce que du coup j'ai pas tout le pourcentage de la culture. Voilà. Et là on va mettre un petit comptoir juste là. Voilà, donc la tempête est passée, il s'est calmé. Mais j'ai perdu une mine et deux comptoirs. Une mine, une fonderie et deux comptoirs. Voilà, ça a fait un peu de dégâts, mais on s'en remet. Et ça produit petit à petit, comme il faut. Et eux, ils demandent tous d'évoluer, donc on va évoluer. Ça va augmenter les bénéfices. Voilà. Je fais une petite ellipse le temps de... Bah, le temps d'évoluer davantage, parce que je tiens pas à ce que ce soit plus ennuyeux que la dernière fois. Donc, dès qu'il y a vraiment du nouveau, je vous reprends. Ré les gens, donc on se retrouve là. Ici. Donc ça a pas mal avancé. Hein. Je me suis même fait un deuxième... centre-ville. Et j'essaie d'évoluer, les bénéfices ont augmenté et l'argent aussi, j'en suis content. En fait, je suis allé demander des sous un petit peu à tout le monde. Et lui, j'ai réussi à obtenir une alliance. Bienvenue ici. Et j'ai une offre spéciale de sa part, invasion de sauterelles, je peux l'envoyer sur n'importe qui. N'importe qui de mes rivaux.
Donc, voilà. Mes bénéfices augmentent. Bien. Il y a une tornade qui passe juste à côté de l'île. Je suis content qu'elle passe juste à côté. Et que nous, on soit regroupés que dans un petit coin de la carte. À vos ordres! Changez de cap! Je commence à manquer en alcool, c'est difficile. Mais je me fais de l'argent aussi en vendant des briques. J'en avais beaucoup, beaucoup. Et j'en ai vendu pas mal. Et j'avais beaucoup de bois sur cette île et je l'ai vendu. Le capitaine! Voilà, velou. Donc. On va baisser un petit peu le son de la musique. Option. Son. Musique, allez, on met pas de musique. Volume général, on baisse. Voilà, c'est mieux. Donc. Et ben. J'ai tout décalé. Ici, j'avais du bétail avant. Ben, je l'ai mis là-bas. Et ici, j'ai agrandi mes cultures. Voilà. Alors, désolé pour cette petite coupure. Une manufacture est à l'arrêt. Une manufacture est à l'arrêt. À vos ordres. Une bergerie. Prêt à larguer les amarres. Ah, le tissu remonterait. Pendant un moment, j'avais plus beaucoup de tissu. Donc c'est avec les Indiens que j'ai réussi à conclure une Béni les alliance. dieux, veillez sur vous. Et ils peuvent... Donc maintenant j'ai accès à plus de ressources chez eux. Et leur comptoir et leur palais a augmenté, enfin, a changé. Le réel a changé, c'est devenu plus grand. Voilà. Vous pouvez comparer avec l'ellipse, avec les ellipses précédentes ou les épisodes précédents. On va t'augmenter, ce sera plus propre, ça ira mieux dans le décor. Voilà, donc autour de... Alors oui, j'ai mis une grosse église là, et autour de celle-ci, je vais y mettre des maisons. Oula, ça fait un truc bizarre. Bon bah tant pis. Fait des ponts chelous et tout. Je dis ça là, c'est la classe. Hein. Voilà. Celui-là il sert un petit peu à rien. Voilà. Parce qu'il faut que tout ait un accès routier. Donc voilà, je mets un accès aussi sur cette maison. S'étend jusqu'où? Il s'étend jusque là, donc ça je peux mettre. Voilà, l'église est vraiment grande comparée à une chapelle qui est une zone petite. Enfin oui, ce que je veux dire c'est la zone, elle est grande. Je peux même mettre des maisons là, mais bon ici je pense que ce sera plus des cultures, hein. Je mettrai des ici je mettrai des cultures d'abeilles. Ouais, je mettrai des cultures d'abeilles par ici. Ok, c'est un... Ah, il n'y a plus. Bah alors on va te casser. On va te casser s'il n'y a plus. Prêt au combat. Et toi, tu rapportes quoi? Ok. Le vent est favorable. Le capitaine. Hissez le vol. Donc là, on est bien. Là, on a pas mal de citoyens. J'ai mis quelques théâtres pour satisfaire leurs besoins. Maintenant, il va me falloir de l'huile à lampe. Donc pour ça, toi, on va te casser. Je te reposerai après. Et ça, on va le faire passer comme ça. Toi, tu passes où, toi? L'huile. Donc. Il faut pêcher des baleines. Et on va remettre la hutte de pêcheur juste à côté.
Prêt au combat. Médaille, vous avez reçu la médaille suivante. Médaille de bronze. Temps. Vous avez toujours un bon marché à proposer. Voilà, j'ai reçu une médaille. La médaille de bronze, j'ai eu, mais elle s'affiche pas, c'est bizarre. Certaines marchandises manquent. L'alcool. Alors le tabac ça va, ça produit plutôt bien, c'est constant, mais l'alcool, c'est galère à maintenir. Alors je vais faire que des allers-retours avec les bateaux. Là. L'alcool, on va planter plus d'alcool. Canne à sucre. C'est parti. En plus là on a des bénéfices assez élevés. Voilà, on est à 656 de bénéfices, c'est génial. Alors elle est passée par où la tornade? Elle s'approche de lui là. Oh, il va avoir chaud lui. Ça va. Donc, bah ici on va pouvoir faire évoluer ces maisons. Toc. Toc. C'est les maisons qui rapportent les bénéfices hein, grâce aux impôts. Voilà, je vais être riche. Alors moi j'ai pas de route de pierre parce que ça coûte cher. Rien que la longueur qui est là, elle coûte à peu près 600 pièces d'or. Je trouve ça beaucoup, alors du coup j'utilise que des routes de terre. Alors que les autres, eux, ils utilisent pas mal les routes de pierre. Voilà, ça donne ça. Pour le moment, je n'ai absolument aucun. C'est des comment? C'est des pavés. Voilà, route pavée. Le capitaine! Oui, capitaine! Oh! Lâche-moi la gueule. À vos ordres! Alors, hop. Compris! Faut commercer régulièrement avec lui, sinon après il va se barrer. C'est le moment pour les affaires. Tiens, on va t'acheter ça, toi. J'ai bien envie de t'acheter ça, mais ça coûte vachement cher, sûrement. Ça va, c'est raisonnable, en mode. Oui. Maintenant, nous pouvons faire affaire. Je prends de l'avance. Merci. Pour les bijoux. Alors, ensuite... là, on peut plus trop s'étendre. On va juste mettre quelques baraques. Là, ici, ça manque d'une église. Juste là. 300 en or. Un de vos bâtiments ne produit plus de marchandises. C'est pas grave. C'est le cas. Fonderie de fer. Normal, il n'y a plus de... Il n'y a plus de minerai de fer. Voilà, voilà. Le minerai de fer, est-ce que j'en ai d'autres sur cette île? Il semblerait que non. Ah si, là. Juste là. Le moment, je n'ai absolument aucun souci. Bah, c'est cool pour toi, meuf. Voilà. Ici, on a notre mine. Bah, la fonderie de fer, du coup, je vais la remettre. Ça, je vais le casser parce que ça sert plus à rien. Voilà, fonderie de fer, s'il te plaît. On va te mettre en mode dodo. Et voilà, donc le tissu, est-ce que ça a réaugmenté? Ouais, c'est bien, c'est à 30 tonnes. Ouais, du navire! À peu près 30. Le vent est favorable! Ok, d'accord. Ouais, du navire! Changez de cap! Voilà, c'est le tabac qui produit un peu moins. Mais bon, c'est pas gênant. Toi, on peut revenir là. Alors. Donc.
Ah bah, ça évolue. Allez, c'est parti, fais péter les bénéfices. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Il leur faut du chocolat, donc on va leur mettre... Ah bah, des ruches, justement, c'est ce qu'il me fallait, des ruches. Voilà, on enlève les arbres. Et on va mettre des ruches. Alors. Est-ce qu'ils vont demander des chocolats? Les gourmands, ils vont demander des chocolats. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut? Bah encore des ruches. J'ai vraiment besoin qu'on m'aide à ce sujet. Deux secondes, j'y arrive, mon pote. Quelle sera ta mission? Voilà. C'est un plaisir de vous voir. Trouver le trésor. Sur quelle île, s'il te plaît? Pas sur la mienne. Non. Ah non. Il est où J'ai ton un trésor? petit problème. Vous pourriez Ah, peut-être il est là. m'aider à le résoudre. Là. Et juste là, le trésor. Alors, il y a marqué quoi? Augmente la zone d'influence pour la récupération du trésor. En gros, faut que j'aille m'installer sur cette île, quoi. Bon, bah. Prêt au combat. On va y aller. C'est parti. En plus, il n'y a personne. Ah bah si. Enfin, il y avait. Il y avait quelqu'un. En gros, la tornade, elle est passée là, quoi. La tornade de tout à l'heure, elle est passée juste là. Alors. C'est le moment pour les affaires. Ouais, oui. C'est clair. Maintenant, nous pouvons faire affaire. Tout à fait. Ouais, du navire. Ah voilà, là l'alcool ça produit plutôt bien. Ouais, commandant. Donc, bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les ruches, est-ce que c'est fini? On entend bien les abeilles. Ben, je vais mettre celui-là là, comme ça. Certaines marchandises manquent. La nourriture s'épuise. Ah. Eh ben, va falloir faire gaffe. Est-ce que je peux leur serrer la ceinture? Non. Et pas... Ah bah ben non, c'était ça. C'était ça pour leur serrer la ceinture et on a choisi celui d'à côté. Bon. Bon, ben, on va faire des élevages de bétail. Envie d'attraper la peste en restant avec vous. Ah merde, ça va, le docteur est juste à côté. Pour l'amour du ciel, veillez à vous débarrasser de cette peste. Ouais, c'est bon. Je ne peux pas exposer mes navires à la peste. Mais t'énerve pas. Je préfère prendre mes distances. Tiens, voilà, lui il est calme. Lui il reste calme au moins. Putain, pète un coup. Hop. Ouais, du navire. On va s'enrichir de pierres précieuses. Compris. Ah bah là, on peut les faire évoluer. La vie est meilleure ici qu'au pays. La vie est meilleure ici qu'au pays. Mais t'es au pays. Alors, toi t'en es où? J'ai presque arrivé. Attendons les ordres. Ici on va bientôt pouvoir faire du cacao. Ça va être chaud, hein? Chaud, cacao. Ouais, c'est clair. C'est clair que ça va être chaud parce que les bénéfices vont descendre et ça va coûter cher, machin.
Ça produit assez rapidement l'alcool. Allez, toi, on va t'installer. Voilà, t'es pile dans la zone d'influence. En plus, il y a de l'or juste à côté. Là-bas, il y a des pierres précieuses. Ah ouais, c'est des ressources infinies. Je suis vraiment contente que vous ayez survécu. Mais oui, je te l'avais dit. Tiens, on va agrandir. Dieu merci. Vous avez surmonté la peste. On va agrandir la zone. À mon avis, ça va être... heureux que nous ne vous ayons pas perdu. Ça va être galère pour les rivaux de s'installer là, du coup. Et ils m'ont laissé des routes. La manière dont vous vous emparez d'une île après l'autre est déshonorante. Voilà, Birchfield. C'est celle-là, Birchfield. C'est lui qui était installé là. Du coup, ça va le gêner, il va pas être content. Eh ben oui, eh ben t'avais qu'à pas être là. Prêt au combat. C'est toi qui as eu la tempête. On m'en bat les couilles. Une réserve de marchandises s'épuise. L'alcool. T'inquiète. J'ai ce qu'il faut. Allez, on retourne là-bas. Que puis-je faire pour vous cette fois? D'accord. Vas-y, ma couille, fais péter. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, l'argilière, là, on va l'exploiter. C'est pour le tigui. Celle-là, elle est infinie. Faut que je fasse des recherches pour débloquer les mines infinies. C'est ça, je crois. Voilà. Permet de miner des matières premières de façon illimitée. Exploitation mine à ciel ouvert. C'est requis, c'est quoi ça? Permet l'exploitation des réserves de marbre et d'argile de manière illimitée. Un de vos bâtiments ne produit plus de marchandises. Pour faire exploser des roches. Bon, on va prendre la jetée, ça va coûter... Oh, 400 seulement. Bon, bah vas-y. Ça va prendre combien de temps? Ok, quelques secondes. Rocher a arrêté sa production. Pourquoi t'as arrêté? Pas bien. Ah. Ça doit être bien. Pour ça. T'étais pas vous relié. Avez ce que je vous avais demandé. T'étais pas relié comme il faut. Ouh, ça c'est joli ça. C'est une livraison immédiate. Plein de tuiles. Je suis très satisfait. Vous n'avez qu'à demander, et moi aussi je vous envoie courir de par le monde. Oh, t'es jaloux. Oui, t'es jaloux. Il vous faut faire plus de bénéfices là-dessus. Alors. Votre pouvoir est une mine d'or. Ouais, je sais. Un nouveau bâtiment a été découvert. Perfecto. Allez, vas-y. Fais péter. Je sais pas combien ça coûtait, ça devait coûter 600, 500, un truc. Oui. Ah, du coup, faut faire évoluer les comptoirs, quoi. Alors ici, il n'y a pas d'école. On va mettre une école. Toc. Y'a personne là? Non, y'a personne. Ouais, si, c'est une bonne petite île, hein. T'es tranquille, y'a que des ressources illimitées. Enfin, on est tranquille pas tant que ça, parce que l'autre, du coup, il va s'énerver, il va pas être content. Je crois que c'est le vert. Ouais, c'est le vert. Et l'autre, c'est le rouge. Oh là, ça produit moins là d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Changez de cap. Ahoy. À vos ordres. J'ai plus d'alcool. Ça va pas le faire. Alors, recherche terminée. Vas-y. Merde, à chaque fois je vérifie pas le prix. T'en restant 0 minutes. Tu te moques de qui toi?
Un pêcheur n'a rien à faire. Quoi? Quoi, tu n'as rien à faire, toi, mais... Mais si, tout va bien. Toi, on va t'envoyer... Attendons les ordres. Chez le poteau. Ouh, bah voilà, là, il y a des maisons à faire évoluer. Un de vos adversaires a colonisé une nouvelle île. Tu es fier de toi? C'est qui? Ah bah, il s'est vengé sur une autre île comme ça. Et elle est colonisée ailleurs. Deux de vos adversaires. Bonjour. Avec lui. Ah, du coup ils ont brisé leur alliance. Vu qu'ils sont sur la même île. Ah, ça va créer des conflits, ça c'est cool. Prêt à larguer les amarres? Un pêcheur n'a rien à faire. Oh là là, mais... Zone de pêche a été épuisée, mais tu te moques de qui? Mettez le cap! Le vent est favorable! T'es fermé? Là, si lui, il a encore de la pêche à faire. Et encore, encore. Ah bah, il y a celle-là là-bas. Il y a déjà lui qui y est, donc ça sert à rien. Un nouveau bâtiment a été découvert. Cette fois, je regarde le prix. 2000, ça veut dire que le précédent a dû coûter 1500, un truc comme ça. Si je fais pas attention. Hein. Si je fais pas attention, je fais n'importe quoi. Voilà, j'ai une belle grande ville, je crois qu'on va s'arrêter là niveau maison. Parce qu'après, si y a des bâtiments nécessaires à leurs besoins, on n'est pas dans le... Voilà. Hein, on a déjà des bons bénéfices, là, donc. On va se calmer un peu. À vos ordres! Le vent est favorable! Allez, hop, toi, tu vas... On fait un échange de bateaux, là. Ahoy! Que puis-je faire pour vous? Bah rien, juste... Moi je vais t'acheter tout. D'accord. Ça. Faites place. Alors... Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi toi t'es pas content toi? Pourquoi toi là? Pourquoi la statue elle fait la gueule? Pourquoi elle est pas belle? C'est même plus en bronze là, c'est... Sans bouse. Alors combien j'ai de huile de baleine? Une réserve de marchandises s'épuise. 46 huile de baleine. Nourriture, il n'y a plus de bouffe. Prêt à larguer les amarres. Ça rame un petit peu là. Bon bah va falloir les satisfaire maintenant. Alors on va mettre un autre truc d'huile de baleine là. Allez, va chercher bonheur. Et maintenant, on va mettre... L'huile à lampe, on va mettre pas loin de ça. Voilà. Voilà, le fabricant d'huile à lampe. Parce que c'est une raffinerie, ouais. Ouais, du navire! Allez, toi, tu remets ton boule. Ouais, du navire! Toi, tu... barre avec compris. Une manufacture est à l'arrêt. Une manufacture est à l'arrêt. Outilleur. Et ben voilà. Voilà. Je pense que là, je devrais casser juste une partie de la route et mettre ça comme ça.
Putain, je crois qu'on peut pas relier la mine. Ah bah c'est ballot. Ah bah si, elle est reliée là. Elle est reliée juste là. Ok, bah c'est cool. Là, il y a des colons qui évolueront pas. Oula. Bref. Le tissu tourne là. Ok. Bon. Bah lui, la lampe, elle va se produire petit à petit. Du navire. Hop, voilà. Prêt au combat. Que puis-je faire pour vous cette fois? Oui. Faites péter la tuile. Pouvons faire affaire. Je crois qu'il est au maximum là. Le Maharaja vous assure de son affection. Ouais, alors vas-y. Je suis autorisé à accéder à votre requête. Voilà, c'est bon, t'es gentil. Moi je vais m'enrichir, moi je vais être pété de thunes. Ça a été dur déjà de monter à 20 000. Non Argilière. Quoi, t'as plus de. Ben, c'est bon. Pète un coup, mon gars. Voilà. T'es infini maintenant. Ok, c'est cool. Donc. Nourriture, alcool. À vos ordres. Et il prend plus mes briques. Très bien. Le capitaine. Mais voilà. Bon, on va te ramener là, toi. C'est il là, je sais pas comment faire du coup, mais je compte exploiter les deux grosses ressources qui sont là avec l'argile. L'argile que je vendrai, les briques, je les vendrai. Mais on va pouvoir commencer dès maintenant d'ailleurs. On va fabriquer un peu de bois aussi. Ça, le miel. Deux de vos rivaux sont devenus alliés. Oh putain. Ça craint pour moi. Jusqu'ici, je n'ai jamais regretté. Continuez. Salut toi. Toi, t'as pas d'école, non. Tant pis pour toi. Produit pas assez. Ok, c'est bon. Vas-y. Fais péter. À vos ordres. Toi, on va t'amener là. Toi, on va prendre tout ce que t'as en magasin et on va le ramener là-haut. Non, après c'est l'île d'à côté. Que puis-je faire pour vous? J'en suis satisfait. Voilà. On reste toujours autour des 18 000, 20 000 là. On n'augmente pas. Parce qu'on fait que d'acheter. Attends, tu permets, attends de venir. Il faut combien là pour la faire augmenter celle-là? Il leur faut 8 des bottes. Il faut 14 de bois. Donc on va un petit peu patienter. En tout cas pour faire évoluer le comptoir. C'est bon. On va pas le faire évoluer. Prêt à larguer
avez à mort. Hop. Ouais, c'est toujours la même chose. Je suis désolé là. Excusez-moi, c'est toujours la même chose. Je vais chercher ça, puis je reviens, puis je fais des échanges, puis je reviens, puis je... C'est vrai que c'est toujours la même chose là par contre. Alors désolé. On va décharger, mais bon, c'est un peu galère là avec l'alcool. Et puis je vais pas tout faire sans vous non plus. Alors j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires ce que vous pensez de ce let's play. Alors dans les commentaires, et si vous mettez des j'aime, et ben je pense que je continuerai si j'ai pas assez de j'aime. Et je suis content aussi, je vous remercie d'avoir 50 abonnés, c'est cool hein. Moi ça me bat. De toute façon les vidéos je les fais pour m'amuser. Donc tant que vous ça vous plaît, le vent est favorable. C'est cool. Prêt à larguer les amarres. Très bien. Alors toi, on va te prendre. Prêt à larguer les amarres. Du bois, des outils et des briques. On va les ramener là-bas. Changez de cap. J'ai une mission faite pour vous. Je suis tous mes bâtons sont partis. Livrer 8 tonnes de bétail. Alors je veux bien. En plus j'ai ce qu'il faut. Bah j'ai un bateau qui revient là, je crois. Non c'est pas lui. Ah bah non j'ai pas de bateau qui revient. Mais j'ai un bateau qui va revenir. Voilà, lui il va revenir. Il va chercher. Et il va revenir. Ah voilà, là ils sont en or. Oh, chouette. Ça y est, j'ai le niveau d'huile à lampe qui s'est... Venir voir, on est toujours de joyeuse humeur. Ouais, génial. Alors lui il va me prendre... Enfin, il va me donner de la thune. J'ai besoin d'aide. Ça c'est cool. Et plus on va avancer, plus il va donner de thunes. Voilà. Il manquera plus que le chocolat. À vos ordres. Compris. Lui il revient, c'est parfait. Nous commercerons avec vous. Ouais, si tu veux. Le commerce peut commencer immédiatement. Mais après, je vais te redemander de la thune et tu vas annuler l'accord commercial. Toi, on va te mettre là. J'ai un petit problème. Vous pourriez peut-être m'aider à le résoudre. Ouais, j'ai vu que ça s'épuisait à la nourriture là. J'ai plus de bouffe. Alors, on va mettre un pavillon de chasse par là, ici. On va même en mettre un deuxième. Voilà, ça produit de la nourriture, le pavillon de chasse. Prêt à larguer les amarres. Mettez le cap. Ma livraison? Excellent. Je vais vous en débarrasser tout de suite. Excellent. Je me dois de vous remercier. Merci mon pote. Hop. Vous n'avez qu'à demander. Et moi. Tais-toi, toi. Le marchand a dit que vous l'avez bien aidé. Cool. Tiens, vas-y, je vais demander des sous. Écoute. Vous recevrez ce que vous avez demandé. Oh bah il a payé. Oh c'est chouette. Bon merci. M'attendais pas à ça de ta part. Non, ça c'est les Iroquois. Ah, les Iroquois aussi, ils ont amélioré... Il y a quelqu'un qui a amélioré les Iroquois. Les négociations peuvent commencer.
Vous pouvez présenter votre requête, maintenant. Ne tournez pas autour du pot. Toi, t'es mon ali. Toi, t'es mon poteau. Relarguez les amarres! Ne vous inquiétez pas pour votre faiblesse. Vos intérêts me tiennent à cœur. T'es sérieux? Force, qui le faible? Tu vas voir qui c'est le faible dans 2 secondes. Enfin, dans 2 secondes. Dans 2 jours. Dans 2 mois. Ouais, ça va mettre du temps. Là, les bénéfices diminuent un peu. Mais bon, j'essaye de les maintenir. Mais pour les maintenir, il faut faire évoluer tout ça. Et vu que j'ai beaucoup de maisons, et plus trop de bouffe pour nourrir toutes ces bouches. Tiens, attends. On va envoyer un voleur à tir sur celui qui vient de m'insulter. Non, c'est pas lui, c'est lui. Vas-y. J'entends déjà les pièces. Voleur à la tir. Artificier, tu vas lui niquer quelque chose. Ah, il a la peste. Tu vas lui niquer sa grosse église. Il y aura des étincelles ici. C'était pourtant un si bon plan. Je suis patient. Mais trop, c'est trop. Ah, il m'a grugé. Ça se fait pas. Tiens, d'ailleurs, j'ai une action spéciale secrète qui est là. 400 pièces d'or, on va pouvoir quand même l'utiliser. C'est pour péter les gros rochers qui sont là. Donc, je voulais péter celui-là. Eh bien, je peux. Bah alors, tu casses, oui. Appelez-moi si vous voulez d'autres gros boom. Oula. Oh, merde, plus d'alcool. Le capitaine. Toi, t'as rien. Prêt à larguer les amarres. T'as de l'alcool. Le vent est favorable. T'as rien. Ouais, bah du coup, je m'occupais plus de ça. C'est dangereux ce que je fais. C'est bon, hein, tu m'excuses. Voilà, j'ai pu mettre des maisons ici. C'était le gros rocher que je voulais retirer. Les flatteries. Allez, on va flatter quelqu'un. Tiens, toi. Tout le monde parle de votre relation intime avec sa majesté. Ok. C'est... Ok, d'accord, si tu veux. Si tu veux, si tu veux. Tiens, attends, je vais envoyer un démagogue là, après. Ça va créer une révolution. Les démagogues, c'est ceux qui... La démagogie, c'est l'art du beau parler. Un truc comme ça. C'est ceux qui parlent bien et qui entraînent les gens. Qui arrivent à manipuler les gens. Je les ai soulagés de quelques pièces. Les démagogues. Ah bah c'est gentil, voilà maintenant j'ai 26 000. Il est sympathique ce gars. Allez, démagogie. Alors. C'est que sur une zone... C'est pas sur un... C'est une activité. Réduit la productivité des manufactures. Ah d'accord. Ah non, ça crée pas de révolution. Mais ça réduit la productivité. Bon bah tiens. J'ai un discours très spécial à disposition. Allez, vas-y. Et voilà. Les travailleurs sont suspendus à mes lèvres. Oh oh, comment je viens de le tuer là. Larguez les amarres. Ohé, du navire. Ohé, du navire. J'ai utilisé beaucoup d'actions spéciales.
crois que je les ai toutes utilisées. Sauf lui. Allez, on va récolter des informations sur lui. Je trouverai l'information que vous voulez. Voilà. Prêt au combat. Plus d'alcool encore. Ça va coûter cher. Hein. Tiens, attends, il y a le franc marchand. On va augmenter jusqu'à 100 tonnes environ. Voilà. Tu m'as donné 67 tonnes d'alcool, c'est parfait. On va diminuer largement. Allez, on va passer par lui, ça fait un petit moment. Ils en sont où là? Il est où? Il est où mon espion? Elle est là. Il court partout. Je pourrais le réutiliser. Information était un jeu d'enfant. Okay. Alors, il a 17 772 pièces. Ça c'est quoi ça? Bilan. Okay. Je sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est les bénéfices. Navire, il en a 11. Aucune indépendance. 16 recherches terminées. 4 îles, ouais. 1000. Ah, il est moins puissant que moi. Hein. Moi, j'ai la masse d'habitants comparé à lui. Ouais, lui, il a 4 îles, moi j'en ai 3. Mais il est quand même moins puissant. Allez, on va vendre. On va vendre des briquettes. Et on va vendre du bois. Capitaine, le vent est favorable. Voilà. Changez de cap. Là, j'ai la masse de choses là. Le vent est favorable. C'est le moment pour les affaires. Alors là, le tabac ça coûte cher. Plus ça, ça coûte encore plus cher. J'en suis satisfait. Mais vas-y, ma couille, fais péter. Très bien. Le capitaine. La reine, elle veut jamais rien donner. Nous avons décidé de vous accorder une audience. Cliquez pour accomplir. Nous ne sommes pas d'humeur à satisfaire votre requête. Putain, elle veut jamais les rouleaux. Bref, ça fait rien. Je crois que je vais vous laisser là. Voilà, on va mettre ces deux maisons à niveau. Voilà. J'ai plus que une seule maison de pionnier qui est là. Parce que j'ai pas de. Les zones de l'église ne vont pas jusqu'à là. Un beau bâtiment ne produit plus de marchandises. Et bah écoute hein. Bon ben je vais vous laisser là, c'est tout pour aujourd'hui. Ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine pour le prochain épisode. Allez bye.